Bonjour, bonjour et bienvenue pour une fois encore sur Cuisine Patisse. Je suis de retour après quelques semaines d'absence. Aujourd'hui, je vais vous réaliser de la sauce gombo. Que gombo, sans rien ajouter, sans rajouter de kulala, sans rajouter de potasse, ni épinards. Et pour cette sauce, je vais utiliser du gombo frais, assis, à votre convenance. J'aurais aimé mettre des crevettes séchées, mais j'ai pas eu. Alors, je rajoute les crevettes fraîches, du poulet fumé, de la viande fumée, de l'huile rouge, des crabes, juste un peu d'oignon, du piment à votre convenance. Magie tablette jumbo, du sel et feuilles de cablet pour parfumer la sauce. Dans ma casserole, je vais rincer tout ce qui est viande et poisson, crabe, j'ajoute juste un peu d'eau et l'huile rouge. Je vais laisser bien saisir. Dans ma région, on commence par cuisiner, par mettre l'huile rouge. Et certaines régions, l'huile rouge met à la fin. Donc la cuisine, c'est par région. Nous rajoutons l'huile rouge avant de rajouter le sel. Donc je vais couvrir, je vais laisser bien bouillir. Laissez le temps à l'huile de bien s'incorporer à l'eau avant de rajouter le sel. Je viens vérifier si l'huile s'est bien mélangée avec l'eau. Voyez. En ce testant, je vais mettre le magie, le sel et le poisson fermenté que j'avais oublié. Sans oublier de rajouter l'eau. Après les gombos, je découpe aussi les piments. Les piments étaient congelés, d'où cette texture. Chez vous, utilisez des piments frais. Voilà. Nous ici, nous congelons tout. Ensuite, un petit oignon, pas beaucoup d'oignon, juste un peu.
J'arrête d'épiler lorsque tout est assemblé. Vous voyez? Dans une autre casserole, j'ai mis un tout petit peu d'eau que je vais laisser bouillir. Ensuite, je renverse le gombo. Je couvre de temps en temps et je viens remuer. Si vous avez du poisson magne sec, rajoutez, ça sera le top. Le magne sec a un très bon goût dans les sauces africaines. Voilà. Et j'ai rajouté aussi le magie dans la sauce parce que le magie, c'est facultatif. Voilà, je rajoute toujours dans mes sauces parce que j'aime l'odeur du magie. Même dans la tchéquée, j'y rajoute le maju. Donc voilà, pour ceux qui peuvent s'en passer, vous pouvez vous en passer. À cet instant, j'arrête la cuisson. Et je vérifie aussi la quantité d'eau dans la sauce. Ça me va. La viande aussi a ramolli. Je peux rajouter le gombo. J'ai réduit le feu. Je pose mes feuilles de câblé. Je vais couvrir et veiller sur la cuisson à feu doux. Et voici le résultat. Accompagnez-la avec du foutou, du plakali, du riz, akasa, akoumé. Si vous avez aimé, likez, partagez. Je vous dis à très très bientôt pour encore d'autres recettes. Au revoir.